Mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici. Réveille-toi, idiot! Je t'en prie, mon affaire! C'est toi! Détache-toi, vite! Encore vous deux, et plongé dans une nouvelle aventure, je vois. C'est sa faute. Je lui ai dit qu'ils avaient l'air de bandits, mais il a insisté pour qu'on leur prenne leur argent. Nous devons tous partir. Ils sont allés chercher du bois, mais ils reviendront d'un moment à l'autre. Ne m'inclus pas dans tes histoires. C'est ton frère, ta bataille. Quoi ? Mais non, s'il te plaît, regarde-le. C'est un poids mort. Mort, il le sera bientôt. Tu devrais te dépêcher. Si je dois le porter, nous ne pourrons jamais survivre. Allez, je t'en prie. Ton frère a de la chance que je t'aime bien. Tu n'as pas grand-chose entre les oreilles, mais ce n'est pas toi le souci. Merci. Par ici! Réfléchis bien, chien de Saxon. Personne ne peut battre les fils de Ragnar. Bientôt, le monde connaîtra. Et en plus, voilà qu'il parle en dormant. Tu vois ça ? Tu vois ça ? Cette lame a été fabriquée par Grundel. Grundel Forgetonnerre, le plus grand de tous les forgerons. Une simple entaille et ton sang giclera de ton corps comme le plus puissant geyser de Norvège. Tu ris ? Tu te moques de moi ? Ai-je l'air d'un bouffon ? C'est bien ce que je pensais. Tu réfléchiras à deux fois avant de rire dans mon dos. Personne ne rit de moi. Personne. Débarrasse-toi de lui quand tout sera fini. Ça vaudra mieux. On est assez loin. Tu peux le poser. Les voilà ! Attrapez-les ! Là, là-bas ! Reste près de moi. Ça se fait pas ça. C'est que nos chemins se séparent. Oui. Merci. Vraiment. Arrête de me remercier et écoute bien. Cette vie n'est pas faite pour vous.
Il y a des gens dans ce monde qui n'hésiteront pas à vous tuer pour de telles broutilles. Je m'en suis rendu compte. Oui. Si ton idiot de frère imagine une autre de ses quêtes de gloire, serre-toi de ton poing et envoie-lui entre les deux yeux. Ou mieux encore, ton pied entre les bourses. Là, il t'écoutera. Le pied dans les bourses. Oui. Le message sera clair. Merci. Et... tu ne nous reverras jamais. Bien. Ah ! Nous leur avons pris leur argent, n'est-ce pas ? Ces imbéciles ne s'y attendaient pas, mais nous sommes plus malins qu'elle n'y paraît. Où vas-tu, mon frère ? Il faut que tu me racontes en détail cette grande victoire. Je rentre à ma maison.